cake when it comes. Oh, we shall see the king. We shall see the king. Glory! We shall see the king when it comes. Oh, he's coming in power. Hail the blessed outward. We shall see the king when it comes. One more time. Oh, shall see the king. We shall see the king when it comes. One more time. Oh, we shall see the king. We shall see the king. We shall see the king when it comes. Glory! Oh, in power. Blessed hour, we shall see the king when he comes. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Whoa, praise God. Glory. You're prophesying in song. Saying, I shall see the king. So be it, amen. Soit ainsi. Romans 12, Romains 12, 2 Corinthians 3, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, and Saint Matthew 17, et Saint Matthieu 17. Well, amen. Now, when we have the prayer line, for those here who want to be dismissed, you can just slip right out. Nous allons avoir une ligne de prière et ceux qui veulent s'en aller pourront s'en aller après. Vous ne devrez pas rester. But I just wanted say those few things to you this morning. Mais je voulais vous dire c'est quelque chose ici ce matin. Avec ce réveil, je n'ai pas l'occasion souvent de parler. Si je veux parler un petit peu. So I got a little testimony here this morning. J'ai un petit témoignage ici ce matin. I know I got friends in the house here. Je sais que j'ai des amis dans la maison. Amen. So we don't make any difference anymore anyway. Ben, ça ne fait plus de différence de toute façon. Si quand vous sortirez d'ici, vous pourrez dire ce que vous voulez. Gloire à Dieu. Je sais où je me tiens. Gloire à Dieu. Parce que les gens ne disent pas ce que je dis. Ils disent autre chose. Eh bien, c'est une autre saison, c'est un autre temps. Romains 12. Vous le ramenez depuis la semaine passée. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 3, 18. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit le Seigneur.
Now the Spirit of the Lord is here. L'Esprit du Seigneur est ici. Which is the dynamic. Qui est la dynamique. And what's he here for? Et pourquoi est-il ici? To change us from glory. Pour nous changer de gloire en gloire. Amen. Amen. Saint Matthew 17. Saint Matthieu 17. And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringing them up into a high mountain apart. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. And was transfigured before them, and his face did shine as the sun. His raiment was white as the light. Il fut transformé devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comment Pierre savait-il que c'était Moïse et Élie? Ainsi, il savait d'une certaine façon. Ils avaient tous des barbes et des robes. Il était difficile de dire qui était Moïse. Ils n'avaient jamais vu Moïse. Alléluia. Et c'est ainsi que vous connaîtrez vos frères et sœurs dans la résurrection. Oh, voilà Gédéon. Que Dieu te bénisse, frère Gédéon. Yeah, Gideon, I enjoyed that story about you, how you Gédéon, got the idols out of your church. J'ai apprécié cette histoire quand tu as liquidé les idoles de ton église. Et même ton père s'est fâché sur toi, Gédéon. Alléluia. Verset 5. Oh là là. Which said, This is my beloved son who I'm well pleased. Hear ye him. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Courbons la tête dans un mot de prière. Père du ciel, nous avons lu ta parole. Ce petit témoignage, ce message, qu'il puisse amener la foi pour la ligne de prière. Et parler à l'Église. J'essaie de les encourager pour le Saint-Esprit et la guérison en réalisant que ta présence est ici maintenant même. Père, tout peut arriver. Ils peuvent être scellés à leur place. Gloire à Dieu. Amen, Lord. Seigneur. And we pray. Et nous prions que tous ceux qui passeront par la ligne de prière, qu'ils soient guéris. Et s'il y a des étrangers ici qui veulent le salut, qu'ils puissent se lever n'importe quand et s'écrier, frères, que ferons-nous pour être sauvés? Père, oins tes serviteurs maintenant. Amen. Put fire on the word, et mets du feu sur la parole and bring glory et to this new season. Apporte la gloire dans cette saison. This day, ce jour-ci, is a new season. C'est une nouvelle saison. I speak it by faith. Je le parle par la foi. Hallelujah. Glory. In the name of Jesus, we ask the blessing. Nous demandons la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Well, I got a title. Eh bien, j'ai un titre. The forming of the word image. La formation de l'image parole. I got a subject. J'ai un sujet. Changing from the glory of Jacob grace. Changeant de la gloire de Jacob grâce to the glory of Joseph perfection. À la gloire de Joseph perfection. This day. Ce jour. I'm declaring. Je le déclare. There's another season. C'est une autre saison. Another time. Un autre temps. We're changing over from 20 years of Jacob. Nous changeons depuis 20 années de Jacob. Been down there a long time. Nous avons été là longtemps. Hallelujah, but today is a new season. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Glory. Gloire à Dieu. Amen. You may be seated. Galatians 4:19. Galates 4. 19. Mes petits enfants, pour qui je suis à nouveau dans les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh là là.
Que se passe-t-il ici? Voilà notre contexte. Romains 12, 2. Ne soyez pas conformés à ce monde, avec toutes ces modes et toutes les choses du monde, mais soyez transformés par le renouvellement, la rénovation de votre intelligence, qui est votre esprit, et votre esprit, l'imagination, le raisonnement, la conscience, l'affection, la mémoire. Soyez transformés de ce que vous sentez, de ce que vous aimez, et qui a dit ceci et quoi encore. Soyez transformés, transfigurés, changés de toute cette souillure, vos idées humaines. Alléluia, gloire à Dieu. Présentez vos corps sur l'autel des reins de Dieu. Enlevez vos pensées et jetez-les au loin. Gloire à Dieu. Et ne forniquez pas dans la maison de Dieu. Écoutez-moi, jeunes hommes. Écoutez-moi, jeunes femmes. Ne le faites pas ici. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu va vous emporter loin d'ici. Gloire à Dieu. Repentez-vous de cette sainteté. N'amenez pas de la fornication ici maintenant. Vous êtes dans la présence de Dieu. Oui, c'est juste, baissez la tête. Gardez la tête basse jusqu'à ce que Dieu vous change. Gloire. Aujourd'hui, soyez transformés, transfigurés, changés de la souillure, gloire, les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, transformés, changés. Il est plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Petits enfants, vous êtes de Dieu, petits enfants. Vous avez vaincu les dénominations, l'antéchrist, les faux Christ, la souillure du monde. Vous avez vaincu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde, qui essaie de vous arrêter. Amen, frère. Votre esprit humain va être changé, transformé, transfiguré. Pourquoi? Afin que vous puissiez éprouver ce monde impie, ce qui est bon et ce qui est acceptable et la volonté parfaite de Dieu. Vous allez prouver la pyramide se tenant sur la terre avec des signes, des prodiges et des miracles. Un peuple, une merveilleuse épouse qui ne sont pas des fornicateurs, ni adultères, des menteurs, des médisants ou des pervers. Gloire à Dieu. Saint, 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 ô Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. That word change. Ce mot changer, c'est le même mot que transformer, transfigurer, métamorphé, transformer, transfigurer, par un changement surnaturel. Non pas, alléluia, je suis en train de changer. Non, ce n'est pas ce dont je parle. Mais changer de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Vous ne pouvez pas tourner une nouvelle feuille ou le faire avec votre pensée. Si vous avez tort, vous avez tort, repentez-vous. Gloire à Dieu.
Ce changement est le renouvellement de votre esprit, la façon de vous penser, de vous penser. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous devez apprendre ces pensées. Vous devez avoir la formation de l'enfant, le comportement. Vous devez être sous une tutelle. Gloire à Dieu. Et cette heure-là est ici maintenant. Joseph Perfection est ici maintenant. Glory. Gloire à Dieu. Your spirit, votre esprit, your imagination, votre imagination, your memory, votre mémoire, your conscience, votre conscience, your reasoning, votre raisonnement, your affection, vos affections. Vous devez être changé de cela. Sinon, vous n'irez jamais dans la résurrection. Le voile de Rebecca doit tomber sur votre pensée. La pensée de Christ, la vie éternelle. Ainsi dit le Seigneur, sinon restez tranquille. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous avec le visage découvert. Il n'y a pas de voile sur le cœur. Israël, il y a un voile de la loi sur leur cœur. Ainsi, quand Christ est prêché, le voile est sur leur visage et ils ne peuvent pas contempler la parole pour ce jour. Le cœur, c'est le visage. Il y a un voile là. Et il y a un voile dénominationnel. Et ils ne peuvent pas recevoir Malachi 4. Il y a des voiles de la convoitise sale qui ne peuvent pas accepter la correction. Ils veulent venir ici avec leur souillure. Mais vous allez sortir d'ici, gloire à Dieu. Glory. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. So now we all, ainsi maintenant, with open face, nous tous avec le visage découvert, no lust fail, aucun voile de convoitise, no fail, pas de voile dénominationnel, no certain interpretations in the message fail, pas un voile d'une certaine interprétation dans le message. Aucun voile, un visage découvert, sans ruse. Alléluia. Simplement Christ en vous. Gloire à Dieu. Aucune souillure. Pas de démons déviants. Des diables spéculateurs. Quand vous croyez, quand vous le parlez, ils le croient. Transforme-moi, Seigneur. Enlève tout ça de ma pensée. Avec le visage découvert. Aucun voile sur votre cœur. Aucune convoitise là pour quelque chose du monde. Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que la gloire du Seigneur? Christ est la gloire du Seigneur. Contemplant Christ et nous le contemplons avec rien dans notre cœur pour nous empêcher d'arriver à la pleine parole. Ainsi, si nous venons ici et si frère Coleman dit quelque chose à ce sujet, je vais m'en aller. Non, alors vous avez un voile. Vous avez un voile sur le cœur. Et votre visage n'est pas découvert. Je ne peux pas vous regarder dans les yeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas regarder le Saint-Esprit. Gloire. That's why I look you straight in the eye. Voilà pourquoi je vous regarde dans les yeux. Je mets mon pied sur le rocher. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. That's all right. Let them receive the Holy Ghost. Tout va bien. Laissez-le recevoir le Saint-Esprit. Seul mon frère, Seigneur. Hallelujah. Praise God. Seal them away, Lord. Take that back to Guyana. Oui, scelle-le. Retourne avec ça à Guyana. The Holy Spirit is here. Le Saint-Esprit est ici. He has no veil. Il n'a pas de voile. Un visage découvert. La gloire du Seigneur est entrée là. Oh, hallelujah. Glory, glory. Oh, glory. My.
Amen. Brother Junior. Amen. Glory. Oh, see, there's no veil. Voyez-vous, il n'y a pas de voile. He worried about a certain kind of hairstyle of the world. Il ne s'inquiète pas d'une certaine mode de cheveux, de certains vêtements. Ou une femme qui dit, est-ce que je peux avoir une coupe de cheveux? Est-ce que je peux me couper la mèche? Est-ce que je peux porter cette sorte de robe? C'est un voile. Amen, brother, how you feel? Amen, frère, comment te sens-tu? Gloire. My. Glory. Glory. My. Brother Bacchus, it's all right, huh? Frère Bacchus, tout va bien. Glory. My. Glory. Amen. Shout, brother. Yes, sir. My. Yes, sir. Glory. My. Oh, my. We are changed. Nous sommes changés, transformés into the same image, à la même image, from glory to glory, de gloire en gloire, even as by, comme par the Spirit of the Lord. L'Esprit du Seigneur. What is the glory of the Lord? Qu'est-ce que la gloire du Seigneur? The glory of God. La gloire de Dieu Jesus Christ. Est Jésus-Christ. The glory of Jesus Christ. La gloire de Jésus-Christ is his church. C'est son Église. And amen, the rainbow, et l'arc-en-ciel coming down from the Son of Man, qui vient du Fils de l'homme, his train, sa robe, le pan de sa robe, descend lors de sept âges de l'Église, depuis les reins, Ézéchiel, tout est ambre, et il y a toute sa traîne, sept arc-en-ciel, à travers les sept âges de l'Église, avec le sang de Jésus-Christ. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus-Christ est encore dans son Église dans les derniers jours. Oh, gloire à Dieu. Écoutez les amis, nous vivons dans un temps merveilleux, le plus grand temps de tous les temps. Nous vivons au temps, le temps où le temps lui-même peut cesser, où l'éternité peut fusionner avec le temps. Le prophète a dit, il y aura un temps où l'éternité va descendre dans le temps pendant 30-40 jours, et alors il n'y aura plus de temps. Il restera seulement 3 ans et demi de temps. Mais l'éternité va fusionner un jour, très bientôt. Nous deviendrons des créatures de l'éternité. Alors que vous serez en train de marcher sur cette terre, alors que vous irez au magasin, gloire! Nous serons dans l'éternité, alors que vous serez dans le métro, en train de conduire votre voiture. L'éternité va se dévoiler. Vous serez changé, transformé, transfiguré. Ceci n'est pas une légende. Ce n'est pas une fable. Peu importe combien ça semble démodé, mais il y aura un enlèvement. Il y aura une résurrection. Assurez-vous d'être là. Supprimez toutes les folies. Si un démon vient dans votre pensée, soyez transformé. Gloire à Dieu. La résurrection va éclater ici. Je suis hors de moi. Je connais l'heure. Je vais faire tout ce que je peux pour amener toute âme ici. Regardez les gens ici dans le message. En train d'argumenter depuis 9 ans contre le septennaire. Eh bien, vous allez découvrir ce que c'est. C'est votre salut. Glory. Gloire à Dieu.
resurrection. La résurrection va éclater sur nous. Savez-vous ce que je suis en train de dire? Pendant 30, 40 jours, nous serons ici, dans le service et dans la résurrection. Savez-vous ce que le prophète a dit? Je veux entrer dans une église parfaite. Le prophète veut entrer dans une église parfaite. Pendant 30, 40 jours sur la terre, je veux que le prophète entre dans cette église. Et quand vous le verrez, ce sera un signe que l'enlèvement est là. Ainsi, jeunes gens, cessez de faire n'importe quoi. Quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Gloire à Dieu. Si cette parole, cette révélation ne suffit pas pour un jeune homme ou une jeune femme, alors Dieu ne vous a même pas appelé. Gloire à Dieu. Amen. Nous devrons être, nous devrions être partout connectés avec le Seigneur, veillant après sa venue. Voyons le monde, le Conseil mondial et Rome, en train de se rapprocher. Malachi 4 nous a dit que quand ils commenceront à s'unir, qu'il viendra une pression. Cette petite épouse, alors observons cette pression. Galates 4:19. Mes petits enfants, pour qui je suis à nouveau dans les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voici frère Branham dans les cieux, mais sa voix, les douleurs d'enfantement qu'il a traversées sur bande, sont maintenant en saison. Parce que Christ est formé en nous maintenant, dans cette nouvelle saison. Cela change de la gloire de Jacob Grâce à la gloire de Joseph Perfection. Et voici un signe. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. À la page 17. Quand Christ Jésus était formé en Marie, c'est alors que la persécution est arrivée. C'est juste. C'est lorsque sa persécution a commencé. Et c'est la même chose en vous. Galates 4:19 dit cela. Quand Christ, l'espérance de la gloire, est formé en vous. Christ est formé en vous. Quand vous mourrez à vous-même et que Christ vient à la vie, observez ce signe. Quand ceci commencera à arriver, observez alors la pression arriver. Observez les problèmes arriver de partout. C'est une prophétie. Gloire. Observez le diable. Alors, allez partout. Certainement, lorsque Christ sera formé en vous, est-ce la saison maintenant? Joseph Perfection, Christ va être formé dans une épouse. Alors, observez alors le diable venir partout. Il va déchirer votre famille, votre mari. Il va essayer de vous faire sortir du sentier. Mais restez dans l'atmosphère. Ne laissez aucun diable, votre mère, votre mari, épouse, qui que ce soit, vous faire sortir de l'atmosphère. Peu importe s'ils sont ivres ou quoi que ce soit, mais ils ne m'enlèveront pas de l'atmosphère. Peu importe s'ils fument des joints devant moi, peu importe ce qu'ils font, restez dans l'atmosphère. Tenez fermement la main du Seigneur. Il y aura un enlèvement. Vous serez là. Christ est en train d'être formé en vous. Glory. Gloire à Dieu. Amen.
Certainement, quand Christ est formé en vous, et lorsque Christ était formé en Marie, rapidement le commandement du roi est arrivé. Vous tous les gens, tout comme c'était le cas, Christ devenait un bébé, prêt à naître, juste à ce moment-là, la grande persécution. Maintenant, la petite semence qui est en vous, et certains, elle a germé, et en vous, il y a maintenant un bébé, Christ. Et maintenant, nous allons déverser les vertus dans ce bébé, esprit. Et ce bébé va se former. Amen. Et lorsque le diable pourra le sniffer, comment est-ce qu'il le sait? Quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous cessez de mentir ou de parler les uns sur les autres, alors il sait que quelque chose est en train de changer en vous. Ainsi donc, il rassemble toutes ses forces pour vous empêcher d'aller dans l'enlèvement. Mais il ne pourra pas le faire. Amen. Il y aura un enlèvement. La foi de l'enlèvement. Les sept tonnerres sont la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et les tonnerres sont déjà en vous. Il n'a pas pu le faire. Ils n'ont pas pu arrêter les tonnerres. Qu'est-ce qu'un tonnerre? La voix de Dieu. Elle est en vous maintenant. Parle! Gloire à Dieu. Maintenant le bébé est formé. Maintenant le bébé est en formation depuis longtemps dans le sein maternel. Mais ce sont maintenant les derniers jours, lorsque la plénitude, la plénitude de la divinité, lorsque la plénitude de Christ doit être manifestée au milieu de son peuple. Il l'a dit, il l'a promis dans sa parole. Et lorsque cette plénitude sera là, alors des choses inhabituelles se passent. C'est la raison pour les grands programmes sociaux et toutes ces choses ne peuvent pas comprendre. C'est de la folie pour eux. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez. Ils forment un conseil des églises juste au moment où l'église commencera à se tenir sur ses pieds, quand le surnaturel commencera à agir. Maintenant, ils se sont tous rassemblés en un groupe. Et maintenant, ils vont essayer d'arrêter ceci. Exactement comme c'était le cas alors. Voilà mon message ce matin. Pouvez-vous imaginer avoir une révélation en sachant qu'ils vont s'unir, en sachant que le pape va aller vers l'église luthérienne et toutes ces choses-là. Et où est le message? Où est le message? Et le prophète l'a déjà laissé. Il est là. Pour cette heure-ci, pour cette saison, pour ce temps-ci. Oh là là, et maintenant, le Saint-Esprit qui était dans le prophète en travail avec ce message va revenir dans un quatrième ministère et travailler à nouveau jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le même Saint-Esprit qui était dans le prophète est de retour ici ce matin, commençant une nouvelle saison, un nouveau temps, pour que Christ soit formé en vous. Ça se passe maintenant même. Ça a commencé aujourd'hui. Voilà mon message de Thanksgiving, l'action de grâce. Quelle action de grâce! Christ en moi, l'espérance de la gloire. Thank you, Jesus. Merci Jésus. What do you mean, you're depressed? Que voulez-vous dire, vous êtes déprimé? Comment pouvez-vous être déprimé? Ne dites plus jamais que vous êtes déprimé. Alléluia. C'est de la saleté. Hallelujah!
Ainsi sa voix, le message, sera dans le quintuple ministère jusqu'à ce que vous deveniez un homme parfait. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand cette persécution arrivera, après que le bébé Christ soit formé en vous, alors la plénitude, l'état complet de la plénitude de Christ doit être manifesté au milieu de son peuple. Malachi 4, le Fils de l'homme. Et l'épouse, le Fils de Dieu, sera manifesté avec les sept esprits, sept manifestations du même esprit, sept arcs-en-ciel, sept tonnerres, sept voix, sept yeux, sept lampes. Sept messages, sept lampes en feu, se reflétant au travers de vous, c'est le message, c'est le Fils de Dieu. Ainsi je vais déverser les vertus en vous jusqu'à la perfection de la venue du Fils de Dieu. À ce moment-là, maintenant, observez alors la persécution arriver. Observez le diable alors se démener partout. Quand? Lorsque Christ sera formé en vous. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu aura quelque chose. L'épouse, à ce temps-là, qui est maintenant, maintenant même, l'épouse sera changée de la gloire de Jacob grâce en essayant de vaincre. Je ne peux pas y arriver. On se sent condamné. Un supplanteur. Un trompeur. Mais maintenant, vous êtes changé à la gloire de Jacob grâce, à la gloire de Joseph perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien contre Joseph. Il n'y a rien contre Joseph. Dans les derniers jours, la colonne de feu sera voilée dans les fils et filles adoptés de Dieu. Quand la pression arrivera, alors le diable sera partout. Alors observez, gloire à Dieu. Dieu donnera quelque chose à l'épouse. Parle, parle. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, alléluia, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai jamais, alléluia, gloire à Dieu, je descends, je serai en vous, jusqu'à la fin, ne t'inquiète pas petite soeur, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Dieu va nous donner la parole parlée. Quand il adopte un homme, il vous donnera un don. Quelque chose pour secouer les nations. Il vous donnera une partie de son nom. Nous avons déjà été là dans la Genèse 17, au verset 1 à 3. Pouvez-vous vous nourrir? Allons-vous les bébés qui sont impatients? Nourrissez-vous du sein, de la parole promise. Et alors au verset 4 et 5, ce qui est un type du Saint-Esprit au verset 1 à 3, et Genèse 17, 4 et 5, Abraham s'était nourri. Et alors Dieu est descendu pour l'adoption. Et il a changé son nom d'Abraham en Abraham. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons déjà traversé 9 années de se nourrir d'El Shaddai. Maintenant, nous y sommes. Lorsque cette parole parlée pour la saison sera donnée pour rencontrer le défi de l'heure, Dieu ne fera marche arrière devant aucun démon.
Gloire à Dieu. Ce réveil n'a pas commencé avec Joe Coleman. Le réveil de sept tonnerres n'a pas commencé ici. Où étiez-vous? Tout le réveil de sept tonnerres était bien avant la fondation du monde. Je n'ai rien à voir avec cela. Entendez-vous ce que je dis? Le réveil des sept tonnerres, les sept sauts, les sept tonnerres, tout ça, c'était avant la fondation du monde. Gloire! C'est alors que le réveil a commencé. Ils criaient de joie. Les étoiles du matin chantaient ensemble. Et elles étaient devant le diable à ce moment-là. Et ils l'ont chassé du ciel. Gloire à Dieu. Le même esprit. Les mêmes esprits qui ont chassé le diable là vont le chasser ici. Et le diable sait qu'il est fini. Apocalypse 12. Parce qu'il n'a pas pu vous avoir. Il n'a pas pu vous enfermer. Alors il poursuit les vierges folles. Israël. Mais il ne vous touchera jamais. Ne vous inquiétez pas, gloire à Dieu. Il va faire s'envoler le diable loin de vous. Glory. Glory. Amen. So we're going to be changed. Ainsi nous serons changés from glory de gloire en gloire. With no denominational, sans, or lust veil, sans voile dénominationnel ou de convoitise sur nos cœurs, contemplant comme dans un miroir the reflection of the glory le reflet de la gloire du Seigneur. What is that? Qu'est-ce que c'est? The anointed word, la parole ointe, the word image, l'image parole, or change, changé, transformé, or transfigured, transfiguré, into the same image, à la même image that you behold, que vous contemplez, from glory to glory, de gloire en gloire, even as, comme par the Spirit of the Lord, l'Esprit du Seigneur. Do you believe that? Croyez-vous cela? Amen. Amen. I don't want to go too much longer. Je ne veux pas aller bien plus loin. I don't think I got much more to go too much longer. Pas beaucoup. The mighty God unveiled before us. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Seed is in you. Maintenant, une semence est en vous. Word seed. La parole semence. Page 22-23. Now the word is a seed. La parole est une semence. And it cannot bring forth until the sun strikes it. Elle ne peut pas se reproduire à moins que le soleil ne la touche. The sun's got to be upon the seed to make it bear. Le soleil doit être sur la semence pour qu'elle puisse porter du fruit. To make it come forth. Pour la faire sortir. And that's the only way you can take the word. Et c'est la seule façon où vous pouvez prendre la parole. Take the word of God in your heart. Prendre la parole de Dieu dans votre cœur. Et marcher dans la gloire de la Shekinah. Et lorsque vous faites cela, ça va apporter les quatre propositions, la manne dans votre cœur, qui est simplement là pour un peuple séparé. Ne venez pas ici tout en étant encore dans le monde. Vous ne recevrez pas les pains de proposition. C'est pour un peuple séparé. Gloire à Dieu. Les seuls qui peuvent la manger, qui ont la permission de la manger, c'est juste un peuple qui a cette permission. Et comme Paul dit ici, en changeant de gloire en gloire, voilà ce que j'essaie de dire maintenant. Voyez-vous, finalement, il revient à sa gloire originale. Voilà ce que je vous dis. Si vous saviez seulement ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous prouver aujourd'hui, par inspiration, de Joseph Perfection, et je relis cette inspiration avec la gloire originelle. Maintenant même, c'est relié. Comme une semence de la gloire du matin, la semence d'une fleur, elle tombe dans le sol. La semence d'un grain de blé tombe dans le sol. Quelle est la première chose? Elle sort. Il y a une petite feuille, et puis ça devient une tige.
originale. De retour à la gloire originale. De retour à la gloire qu'elle avait au départ. Oh, gloire à Dieu. Le soleil se lève à l'est. C'est le même soleil qui manifeste la même chose à l'ouest. Changeant de gloire en gloire. Je peux à peine le retenir. Je suis hors de moi. Quand je réalise qui je suis, je suis né ici à Harlem. J'ai été élevé dans les rues de New York. Et Dieu a tendu la main et il m'a pris, moi, hors de Harlem. Et il a mis l'espérance de la gloire en moi pour prêcher sa parole. Il m'a donné une révélation que je serai parfait. Je suis hors de moi. Il est descendu de sa gloire. Quelle histoire merveilleuse! Dieu lui-même est descendu pour venir me chercher. Oh, je peux à peine le retenir. Je dois louer Dieu. Je dois chanter. Je dois crier. Je dois témoigner combien le Seigneur m'aime. What has the world got to do with this? Qu'est-ce que le monde a à faire avec ça? Loin de moi le monde. Loin de moi la saleté. Je suis un enfant du roi. Je suis le fils du roi. Je vais m'en aller d'ici. Je viens de la gloire. Je retourne dans la gloire. Je suis changé de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Comme par l'Esprit du Seigneur. That's my testimony. C'est mon témoignage. Glory. Sha. I can't help it. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas supporter de voir des visages assis, de tout friper. Des regards maladifs, méchants, des mauvais regards qui viennent dans la maison de Dieu en étant tristes et déprimés. Est-ce que vous n'avez pas un peu de compréhension? Oh là là. Où étais-je? Oh, here we are. Nous y voici. Changing from glory, changeant glory. De gloire en gloire. Producing the hidden manna. Produisant la manne cachée. Qu'est-ce que la manne cachée? Est-ce qu'elle a été produite dans cette église? Alors pourquoi faire des histoires? That's the vindication. C'est la confirmation. Let them reproduce this anointing here this morning. Qu'ils essayent de reproduire cette onction qu'il y a ici. Ceci ne vient que par les sept tonnerres. That's all. Voilà tout. There's a fire. Voilà le feu. Amen. And now, et maintenant, it's ripe. C'est mûr to bring him back. Pour le ramener exactly like he was at the beginning. Exactement comme au commencement. His same ministry. Le même ministère. The same Jesus. Le même Jésus. The same power. La même puissance. The same Holy Ghost. Le même Saint-Esprit. The same one. Le même qui est descendu le jour de la Pentecôte. C'est le même Saint-Esprit qui est manifesté aujourd'hui de gloire en gloire, de gloire et de retour à la semence originale. Nous sommes de retour au grain original avec le baptême du Saint-Esprit.
Comprenez-vous maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? Le 4 septembre, le 11 septembre, le même Saint-Esprit que le jour de la Pentecôte. Le même Dieu est ici maintenant, en train de remplir le frère ici. Il est ici ce matin. Vous pouvez être rempli maintenant même. Le même Dieu que le jour de la Pentecôte. Il est ici maintenant. Il vous change de gloire en gloire. La semence originale, avec le baptême du Saint-Esprit, les mêmes signes. Voilà pourquoi je l'ai fait par la foi. Dimanche passé, je n'ai pas peur. Dieu a dit qu'il guérit. Dieu guérit. Amen. Les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même baptême. Frère Joey, j'ai été baptisé. C'était le même que Pierre a reçu. Rebecca, tu as reçu le même que celui de Marie. Vous tous, le même Saint-Esprit, pas un autre, mais le même. Amen, frère Garcia. Le même baptême. La même sorte de gens agissant de la même façon. Les mêmes. Le même esprit. Frère Branham m'a dit, je suis identifié. Christ en vous. Il était là lorsque Noé a construit l'arche. Il était avec Abraham. Quand Dieu a dit, va là, je t'ai promis un pays, vas-y. Vous étiez là avec Abraham. Vous avez été en Égypte avec Joseph. Vous avez été avec Israël. Vous avez traversé la mer Rouge. Vous avez traversé le Jourdain. Alléluia. Vous étiez dans la fournaise ardente. Vous étiez dans la fosse aux lions. Le même Saint-Esprit qui est en vous maintenant. Le même Dieu. Le même Dieu. Comme on m'a dit, le voici à nouveau. En 1964, dans cette convention, la même sorte de gens agissant de la même manière. Je suis identifié avec eux. Dieu, dans le prophète, s'est identifié avec eux. Le même Dieu est ici aujourd'hui, agissant de la même façon. Gloire. Amen, Tommy. Alléluia. Glory, Tommy! Glory, glory, glory! Oh, glory! Glory, glory! Amen, Mary! Hallelujah! Oh, hallelujah, praise God! Oh, amen! He's here identifying you, Tommy. Il est ici, en train de s'identifier, Tommy. Tu es le fils du roi. Il t'a promis la vie. Amen, brother Ram. Amen, frère Ram. Oh, praise God. Thank God. Oh, that's it, boy. Ahí está. Oh, hallelujah, my God. Thank you, oh my. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah.
My glory. My. Thank you, Jesus. Oh, my. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord. Glory. Hallelujah. Glory. Seal away. Seal it. La puissance est au-dessus de frère Tommy. La puissance est dans son âme. Le feu. Oui, Seigneur, donne-lui une double portion. Oh, glory, glory, glory. Thank you, Jesus. My, my, my. Amen, brother Vela. Amen, frère Vela. God can seal you also. Dieu peut te sceller également. Glory. Hey. Glory. He's here sealing the people. Il est ici en train de sceller les gens. Oh, come on, Daryl. Allons. Dieu peut te sceller. Wayne, God hasn't forgotten you. Dieu ne t'a pas oublié. He can nail you to that wall. Il peut te clouer à ce mur et te sceller, Wayne. Since I laid my burdens down, oh, lay down those burdens. Oh, déposez ces fardeaux. You ain't no bond slave. Vous n'êtes pas des esclaves. Take the weight off your shoulders. Débarrassez-vous du poids sur vos épaules. Débarrassez-vous de la crédulité. Allons, frère Tony. Get that weight off of your shoulders. Débarrasse-toi de ce poids sur tes épaules. I don't care what happened to you, boy. Peu importe ce qui t'est arrivé, mon gars. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ te libère. Tony. Tony. You're free. Tu es libre. Glory. Thank you, Lord. Shout. Prie. God, you're free. Remercie Dieu, tu es libre. Hallelujah. Oh, Lord. Seal your son, Lord. Seal ton fils, Seigneur. Oh, glory. My. Changing from glory changeant to glory. De gloire en gloire. My. You know what I'm saying? Savez-vous ce que je dis? We're being changed. Nous sommes en train d'être changés. The glory of, Jacob. De la gloire de Jacob to the glory of Joseph perfection. À la gloire de Joseph perfection. But soon, et bientôt, to be changed. Être changé. The glory of Joseph perfection. De la gloire de Joseph perfection. To the glory. À la gloire of his glorious body. De son corps glorifié. We shall see him as he is. Nous le verrons tel qu'il est. Oh, my. Oh, hallelujah. Glory. We are
Nous sommes de retour à la gloire originale. De retour au grain original. De gloire en gloire en gloire. De retour à la semence originale. Avec le baptême du Saint-Esprit. Les mêmes signes. Les mêmes prodiges. Le même Saint-Esprit. Agissant de la même façon. La même puissance. Finalement, nous avons fini. Nous sommes changés de la gloire de Jacob à la gloire de Joseph. Et bientôt nous serons changés de la gloire de l'image parole à la gloire de son corps glorifié. Il y aura un enlèvement. Un enlèvement. Ainsi nous comprenons aujourd'hui. La gloire de Joseph Perfection est la gloire de, la, de l'épouse glorieuse originale, la formation de l'image parole. Christ en vous, en train de oindre la parole en vous pour cet âge. Et lorsque Christ oint la parole, qui est Joseph Perfection, en vous, pour cet âge-ci, alors cela fait de vous un Messie oint. Amen. Des Messies oints. Les prophètes étaient des Messies oints pour leur âge. La parole promise pour cet âge-là, quelle que soit la parole pour cet âge-là, c'est le Messie. Quand Jésus est venu, il était la plénitude de la parole. Et il n'y a qu'une seule chose dans laquelle vous pouvez mettre votre confiance, et c'est dans la parole. Et la parole est Dieu. Et la parole ointe forme le Messie. La parole ointe de l'heure. Saint Jean 14, 12. Ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père. Avez-vous vu ce qu'il a dit? Je suis dans mon Père. Je suis le Père. Et Jésus, c'est je suis dans le Père. Et vous en moi. Et moi en vous. Et il a dit, qu'il soit un, comme moi et le Père, nous sommes un. Alors comment cela sera-t-il? La parole, l'image parole de cette saison. Et nous, nous serons la parole ointe. Et ce sera l'unité de Dieu. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Et alors, vous devenez un fils, une fille, un Messie de l'âge dans lequel vous vivez. Oh, je suis en train de naviguer ici maintenant, je vais bientôt terminer. Comment devenez-vous un Messie loin de l'âge? Non pas simplement quand vous avez une révélation depuis 9 années, ou de 20 années, vous n'êtes pas un Messie loin encore, parce que vous n'êtes pas arrivé à votre parole pour votre âge. Frère Branham est arrivé à sa parole. Malachi 4, Saint Luc 17, 30, Apocalypse 17, c'était sa parole pour ce jour-là. Et il est devenu un Messie loin. Mais le prophète de l'heure, de la Bible, c'est Jésus-Christ, qui est la parole. Martin Luther était un Messie pour son temps. Il y avait une portion, Wesley, et ainsi de suite. Les gens devaient entendre ce message-là. Et ces gens-là, ça faisait d'eux des Messies. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Amen. Non pas simplement quand vous avez une révélation depuis 9 années, mais lorsque la parole est en action en vous depuis 9 années, alors Dieu peut voir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Entonces esa palabra que está operando in you en ti for these past 9 years por estos 9 años, amen, that word becomes a word image. Esa palabra ya que es palabra imagen. Then it's in.
Because your spirit, porque su espíritu, amen, you've been transfigured. Tú has sido transfigurado. And the word image, y la palabra imagen, that's inside, que está dentro, and anointed by charity, y ungido por caridad, over you, sobre ti, overshadow you, te hace sombra. That word image, esa palabra imagen, will reflect out, reflejará afuera, like it was in the prophet, como fue en el profeta. And then you'll see, entonces tú verás, the word, la palabra, made flesh, hecha carne. The word reflected, la palabra reflejada, the transfiguration, la transfiguración, the changing, el cambiar, the transforming, el transformación, of the word image, de la palabra imagen, will be out here, estar aquí, it'll be Jesus Christ, será Jesucristo, walking on two feet, caminando en dos pies, you'll be a Messiah, tú serás un Mesías, glory, oh hallelujah, praise God. Jesus Christ, Jesucristo, the fullness of the word in you. La plenitud de la palabra en ti. I hope you know what I'm saying. Espero que sepan lo que digo. My, I don't know whether I should say it or what. Joseph told me to say it. Amen. Glory. Way back, allá atrás, 1964. Jacob Grace chose a perfection. Jacob gracias a José perfección. Faith. Fe. Birth. Con 1965 December. En el 65 en diciembre. Everybody is laying on the ground. Todos están en el piso. Brother Branham died. Hermano Branham murió. I called up a couple of friends of mine. Llamé a algunos amigos míos. I said, what was on the rapture tape? Digo, ¿qué estaban haciendo de rapto? The Lord himself shall descend from heaven with a shout. El Señor mismo descenderá del cielo con aclamación. The Holy Spirit spoke back to me. El Espíritu Santo me habló a mí. He said, the shout of the king is in the camp. La aclamación del rey está en el campamento. I walked out December 26, 1965. He said, stand up. Le cri du roi dans le camp. What happened then? Qu'est-ce qui s'est passé alors? La vertu. Une naissance. Amen. November 1968. Le 18 novembre 1968. Je parlais à mon ami. Il a dit quelque chose. Et je dis, je te verrai plus tard. Quelque chose m'a frappé. La connaissance est entrée. Et Dieu a commencé à révéler toutes ces choses. Une naissance. Alléluia. Je suis allé à Jeffersonville. Sur les ailes d'une colombe blanche. J'aurais défailli si je ne connaissais pas la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. J'étais dans le pays des vivants. Gloire à Dieu. La tempérance. Ne dis rien. J'ai dit à Frère Tommy, les morts ont été ressuscités. Je ne pouvais rien dire. Il dit, tu plaisantes. J'ai dit, ne dis rien. Quelques mois plus tard, un mensonge a été dit que Frère Collins avait ressuscité les morts. Alors il savait que c'était un mensonge. La tempérance. Le contrôle de soi. Ne dis pas que c'est toi qui as ressuscité les morts. Alléluia. Qu'est-ce que vous me dites, gloire à Dieu? C'était la naissance à ce moment-là. En 1970, tout le monde disait, 77, que l'enlèvement arrivait au mois de juin. Va à Porto Rico. Un jour, je suis arrivé là. J'ai dit, regarde, et je voyais le sommet plat de la montagne. J'ai demandé au propriétaire de la maison, quelle est cette montagne? C'est El Yonki. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vieux chef indien, il avait de la patience. La montagne était comme une enclume. Et un forgeron, en train de marteler, le Saint-Esprit m'a dit, monte sur la montagne. Je suis allé là-haut. J'ai ouvert la Bible. Hébreux 10, tu as besoin de patience. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la promesse vienne. Patience. La patience est née en moi. En avril 1970, je suis revenu à New York et j'ai prêché sur la patience. Je ne m'inquiétais pas de juin 70. Si c'est l'enlèvement, je serai là. Gloire à Dieu. Alors, la piété, en 1972, en octobre, il a pris cette église. Le diable a essayé de l'incendier. Et c'est passé à la télévision, à la radio, et même dans les journaux. La piété, être comme Jésus-Christ. Tout tendre l'autre joue, ne rien dire. Et tout le monde sait que le 9 juin 1974, le Saint-Esprit est descendu pour une naissance, l'affection fraternelle. C'était né.
Ce n'était pas encore l'image parole. Parce que ça ne peut pas être l'image parole. À moins que l'esprit soit en action, mette tout cela en action. Alors le 23 février 1975, à cause de cette parole, la puissance est descendue. Maintenant, je vais mettre en action la foi qui est déjà en toi. Mettre en action la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Et ne t'inquiète pas, le diable va vous éprouver. J'ai été éprouvé pendant 9 ans sur la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et maintenant, je crois que cela est en action. Qu'est-ce que vous cherchez? Le temps d'adoption. L'image parole, elle est formée ou elle est prête à être formée. C'est l'un ou l'autre. Seigneur Dieu, scelle cette vertu en moi. Envoie la charité. Alléluia. Oh là là. Changeons de la gloire à la gloire. L'onction. Gloire à Dieu. Alors, lorsque l'image parole qui a été accepté par Dieu en vous. Ça doit être Dieu. Ça ne peut pas être votre pasteur, votre mari ou votre femme. C'est Dieu qui doit voir les vertus agissant en vous par toutes sortes de tests dégoûtants que le diable peut vous donner. Et vous devez sortir de la même façon. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, sœur. Maintenant, ne faites pas de folie. Non, non. L'affection fraternelle, ça ne veut pas dire. Eh bien, que Dieu te bénisse. Non, non, c'est pas ça du tout. Mais vous êtes là comme un ange en disant, vous incirconcis de cœur et raide du cou. And Brother Brown said, I imagine them apostles. J'imagine ces apôtres. C'étaient des hommes de peu de paroles. La statue d'un homme parfait. Page 65. Il a dit, ils ne criaient pas comme nous, en essayant de s'imaginer, de comprendre, est-ce que ceci est vrai, ceci ou pas, non. Ils disaient, au premier petit mouvement de Dieu, ils s'en allaient. Il a dit, pourquoi ils avaient ces vertus en eux? So we've been changed back to ainsi, that image nous sommes now. Changés à cette image-là maintenant même. Oh là là. Maintenant vous comprenez. Par la foi, une révélation. Et pendant 9 ans, par révélation, beaucoup parmi vous ont accepté les 7 tonnerres, les vertus. Elles sont en vous. Par révélation. Maintenant, la puissance est ici, l'Esprit du Seigneur, pour vous changer d'une révélation en une expérience. Maintenant, dans cette saison, l'image parole sera formée en vous d'une révélation en une expérience. Et vous irez dans le désert supporter 3 attaques sauvages de Satan. Et voilà ce que la tentation. C'est ça qui vous forme. C'est ça qui vous modèle à l'image parole. Maintenant, vous avez contourné votre théophanie. Vous avez contourné votre théophanie. Parce que votre théophanie, vous connaîtriez toutes choses, mais vous l'avez contourné. Pourquoi? Pour venir ici, pour subir la tentation. Voilà pourquoi vous êtes ici. Que voulez-vous dire? Vous êtes déprimé. Que voulez-vous dire? J'ai cette tentation, ces épreuves, mais c'est pour ça que vous êtes venu ici. Vous êtes descendu de la gloire. Venir ici pour subir les tentations au travers de votre mère et votre père. Ce ne sont pas votre père et votre mère. Ça, ce sont vos parents terrestres. Mais vous avez un père dans le ciel. Gloire! Ils sont seulement le père et la mère de cette chair. Mais lui, c'est le père de votre âme. Ainsi, vous êtes venu ici pour la tentation. Avez-vous saisi?
une tentation. Et alors vous êtes formé. La tentation vous modèle. Elle vous forme à l'image parole. Parce que vous avez une révélation de la parole qui est en vous. Il y a déjà en vous les sept tonnerres. Vous savez que c'est là. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Parce que vous étiez sous Jacob grâce. Mais maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je peux faire toutes choses par Christ Jésus. L'heure est ici maintenant. Alléluia. Glory. Did you understand? Comprenez-vous? First, a revelation. Premièrement, c'est une révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une révélation. Et dans la chambre haute. Alors l'expérience descend. Et nous y voici. Oh là là. Alors l'image parole est formée en vous. Alors la charité est de retour sur la montagne. Écoutez-le. L'image parole est maintenant what? Alors l'onction est avec vous. Alors vous êtes des messies. Premièrement, vous passez d'une révélation en ajoutant. Alors vous arrivez à cette saison et l'Esprit est ici maintenant. Et maintenant, vous êtes formé, vous mourrez à vous-même. Vous êtes formé à l'image parole. Vous avez contourné votre théophanie et vous êtes venu ici pour être formé. Alors, la charité vient sur votre image parole. Qu'est-ce que c'est? La plénitude de la parole qui est en vous, du prophète, qui a été formé, Christ. Alors la charité descend là-dessus avec la plénitude de l'Esprit. Alors la plénitude de l'Esprit et la plénitude de la parole vont avancer ensemble. Alors il y aura un rendez-vous dans la résurrection. Il y aura encore un grand test quand la pression viendra. Oh là là. Alors, lorsque la charité descendra sur votre image parole, voilà le véritable baptême du Saint-Esprit. Alors, vous serez la parole ouinte des messies pour cet âge. Ainsi, aujourd'hui, le 13 novembre, je dis que la gloire de Jacob grâce est en train de changer à la gloire de Joseph perfection. The word Messiah, la parole Messie signifie le moins. Et vous et Dieu, vous êtes un. Dieu est en vous comme étant la parole image. Il a été formé en vous. Et vous êtes ses fils et ses filles. Et ceci fait de vous des Messies. La parole, l'image parole. Je reviendrai à ceci. Mais je dois le dire aujourd'hui afin que vous sachiez qui vous êtes. Elle va vivre au travers de vous comme sept voix vivantes. Avez-vous saisi maintenant? Pendant 9 ans, croire cette tonnerre par révélation, je ne serai pas ébranlé. En 1983, Joseph Perfection à Fort Wayne, le brisement du septième sceau, le 4 septembre, l'Esprit est arrivé. Pourquoi est-il ici? Pour vous changer de gloire en gloire en gloire en gloire. Oh là là. Alors vous êtes changé. L'image parole entre en vous maintenant. Christ observe. Le Père du ciel. Il vous emmène sur la montagne et il vous visite et il vous donne quelque chose avec lequel secouer les nations. Cette voix vivante, la douceur et l'humilité vont secouer Jeffersonville, vont secouer New York City, vont secouer jusqu'à ce que les tombeaux s'ouvrent à cause des secouements. Voilà ce que je vous indique. Voilà mes actions de grâce. La plénitude de l'Esprit qui est arrivée à la plénitude de la parole. Lorsque vous arrivez à l'affection fraternelle et alors l'image parole est formée en vous. Alors lorsque l'onction, Christ est l'onction qui oint la parole.
Gloire à Dieu. Elle va vous oindre. Alors vous deviendrez la parole pour cet âge. Vous et le message devenez un. Les malades sont guéris par une parole. La parole est parlée. Alors l'onction est avec vous. Comme avec l'épouse primitive. Frère Branham a dit, donnez-moi une église qui est tellement ointe de Dieu au point où chacune de leurs actions et chaque mouvement est ainsi dit le Seigneur. Marchant dans la gloire de la Shekinah, des choses de perfection avec les sept arcs-en-ciel. La gloire du Seigneur sur l'Église. La gloire de la Shekinah. Cet arc-en-ciel. Je vous montrerai l'Église. Je vous montrerai un Messie. Loin de Dieu. Se tenant sur la terre. Gloire à Dieu. Quelle saison sera-ce? Le temps de l'adoption. Écoutez-le. Il était la parole. Voilà tout ce que vous devez entendre. C'est cette parole. C'est lui dans chaque âge. Voyez-vous ce que dit la parole? Pour cet âge-là. Que dit-elle pour cet âge-ci? Et alors, observez Dieu oindre cela et allez avec. Voilà tout. C'est une citation. Donc, qui dites-vous que c'est? À la page 29. Avez-vous compris? Ce n'est pas cette personne, mais ce qu'est la parole pour cet âge. Les sept tonnerres, chose de perfection. Alors, observez Dieu oindre cela. Observez Dieu accompagner cela. Alléluia. Ce sera le Messie. Alors vous devrez entendre cette personne. Écoutez-le. Alléluia. Je vous pose une question, j'ai terminé. L'heure est-elle arrivée? Qui sommes-nous? Pensez-vous. Un homme qui devient Dieu dans cette heure-ci, dans cette saison, en ce temps-ci. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que Dieu a oint Joseph Perfection? Le 5 juin 1983. Alors frère Junior ici, le premier à sortir. Et sœur Laura l'a vu sortir. C'est ton jour. Alors Joanne, et puis elle-même, et le reste des autres. Est-ce que c'est arrivé? Alors, Joseph Perfection est ici. Gloire à Dieu. Alors, c'était la Fort Wayne. Identifié le samedi soir. Et je reviendrai dimanche soir le confirmer. Amen. S'ils ne le veulent pas, eh bien, que les chiens aboient, la caravane passe. Peu importe ce pourquoi les chiens aboient. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que je sais que je sais que je sais. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Gloire à Dieu. Je sais que ce que je dis aujourd'hui est la vérité. Ça vient de Dieu, du prophète. Ça a été parlé. Et cela sera. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que Dieu a oint Joseph Perfection? Si Dieu a oint cette parole, Joseph Perfection, que dit l'Écriture? Je vais vous donner la parole. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour la révélation. Amen. Psalms 105:19. Amen. Glory until the time jusqu'au temps that his word came. Où sa parole soit arrivée. The word of the Lord, la parole du Seigneur l'a éprouvé. Joseph a reçu une parole that his brothers would bow down que ses frères allaient s'incliner devant sa gerbe until that word came. Jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse en sa saison. The word la parole of the Lord tried him. Du Seigneur l'a éprouvé. The word la parole of the Lord du Seigneur. Faith. La foi, virtue, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la faveur éternelle va vous éprouver jusqu'à ce que la parole chose imperfection vienne. Vous serez éprouvé par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la faveur éternelle. Elle va vous éprouver, va vous modeler, vous perfectionner, vous amener à l'image parole. Et alors, quand ce temps-là viendra, alors, vos frères vont s'incliner devant vous à vos pieds.
Every tongue will be stopped. Chaque langue sera fermée. So all of these tests in this church. Ainsi tous ces tests dans cette église. People raising up, rising up. Des gens qui se lèvent. People leaving. Des gens qui s'en vont. Only a test. C'est seulement un test. Hallelujah. Hallelujah. The word will try you. La parole va vous éprouver. L'affection fraternelle. I forgive you, sister. Je te pardonne, sœur. Je te pardonne, frère. La parole vous éprouve. Vous ne pouvez pas être Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. And if God has anointed this word alors, for the si Dieu a oint cette parole pour cette saison, le temps de l'adoption, alors aujourd'hui, le 13 novembre 1983, nous changeons de la gloire de Jacob Grâce à la gloire de Joseph Perfection. Joseph Perfection, l'esprit des sept arcs-en-ciel, l'image parole qui commencera to be formed in you, à se former en vous, to that perfection, à cette perfection, making you anointed Messiah, faisant de vous un Messie oint, fils, fille de Dieu pour cet âge, adopté, into his body, adopté dans son corps, and placed and vindicated, et placé et ensuite confirmé, la formation de l'image parole. Comment ceci s'accomplit-il? Christ la dynamique, qui vient vers son corps, Christ, c'est la parole qui est en vous, du message de Malachi 4. Christ, is the anointing. Christ est l'onction qui vient sur la parole, qui est déjà en vous, pour faire vivre cette parole. Et Christ est ici maintenant dans cette église. La dynamique sur votre mécanique. Ainsi, Christ est l'esprit, l'onction que vous avez senti si puissamment ici aujourd'hui ce matin. C'est Christ en train de voir cette parole en moi, qui voit la parole en vous. Au point où vous pouvez à peine le supporter. C'est ici. Il vient sur la parole révélée, qui est Christ également. Tout est Christ. La mécanique est Christ, qui est en vous. La dynamique est Christ, qui vient sur vous pour oindre, pour vivifier la parole qui est en vous. It quickens the word elle vivifie la parole en vous for this season, pour cette saison and makes it live. Et la fait vivre. Oh, the hour's come. Oh, l'heure est arrivée for the church to be changed. Pour que l'église soit changée, soit vivifiée à la gloire de la gloire de Jacob Grâce. C'est la même chose jour après jour jusqu'à la gloire de Joseph Perfection. Now remember, maintenant, souvenez-vous, adoption time, le temps de l'adoption, l'image parole doit être formée en vous dans la saison de l'adoption. Et vous n'êtes pas scellé jusqu'à ce que l'image parole des sept vertus soit formée en vous. Even as comme by the Spirit of the Lord. L'Esprit du Seigneur. And then you're sealed. Et alors vous êtes scellé. And then you're placed. Et alors vous êtes placé. Lorsque l'image parole est formée en vous, par sept naissances, alors l'amour de Dieu, Jésus Christ, descend et scelle tout cela en vous pour le service. L'image parole doit être opérante en vous par la dynamique qui vient d'être libéré. Alléluia. Combien comprennent ce que je dis? J'ai pris le temps. J'aurais pu terminer rapidement, mais je voulais que vous saisissiez cela. Peut-être que je ne vais pas parler avant longtemps, mais ces choses, l'image parole, doit être prouvée scripturairement en vous au travers de tentations et d'épreuves. Elle doit être vue. Et puis alors, elle doit être scellée. Alors vous êtes scellé de la foi jusqu'à la charité. Lorsque la charité descend et scelle ces vertus en vous, alors l'image parole est scellée en vous. Le voile de Rebecca tombe. Vous revêtez le vêtement arc-en-ciel de Joseph. Alors vous commencez à marcher. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Où allez-vous? À la résurrection. Et le diable va vous arrêter? Une petite pression? Le diable va arrêter Christ? Quand la pression viendra, parle la parole. Et alors observez les démons s'enfuir. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Alléluia.
So you are attributes, sons vous êtes des fils attributs de son esprit. And you come from being an attribute. Et vous venez du fait d'être un attribut down to the flesh, dans la chair to be tempted. Pour être tenté. You have never become the word. Vous ne devenez pas la parole. We only became a flesh man. Nous sommes simplement devenus un homme de chair, pas la parole. Mais il y a une semence de Dieu en vous. Amen. Amen. That seed maintenant, cette semence has a une révélation de la parole pour sa saison. Et maintenant, c'est ça qui est en vous. Elle est mûre. L'entendement. Vous savez qui vous êtes. Vous présentez vos corps comme un sacrifice vivant. Me voici, Seigneur. Que veux-tu faire? Renouveler ton entendement afin de pouvoir prouver quelle est la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Oh là là. Did you get it? Avez-vous saisi? In order to stand temptation, afin de supporter les tentations, vous avez dû contourner votre théophanie. Nous avons dû venir ici dans la chair pour être tenté par le péché. Stand again for the tape. Lo digo otra vez. By temptation, par la tentation, you become the word image. Vous devenez l'image parole. How? Comment? By taking the promises. En prenant les promesses. Satan, is written. Satan il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Voyez-vous, Satan ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Il ne ressemblait pas à ça. Il n'était pas assez poli. Il n'était pas assez éduqué comme les grands gars dans le message. Let that sink. Que cela entre profondément. He didn't look a certain way. Il ne ressemblait pas like il n'avait pas comme les pharisiens. Ça, c'était dans la pensée du diable. So he didn't believe Christ. Ainsi, il ne croyait pas Christ. And Christ didn't have to use the signs and wonders. Et Christ ne devait pas utiliser les signes et les prodiges, la puissance. Il est écrit Satan. And now, neither does the devil believe et le diable you. Ne vous croit pas non plus. Il ne croit pas que vous êtes l'épouse. Et voilà pourquoi vous devez avoir vos tentations. C'est parce qu'il ne croit pas que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Il ne croit pas que vous allez vous tenir sur cette parole. Il ne le croit pas. Mais Dieu vous a prédestiné à tenir ferme devant les attaques du diable. Ainsi, par les promesses, vous allez devenir l'image parole. Oh là là. Saint Matthieu 3, positionné comme un fils, la nouvelle naissance. Vous avez toujours été un fils. Voilà, mon fils, amen. Mon fils ici, mon fils. Ceux que je baptise, ce sont mes fils. Alors ne soyez pas tout excité. Il va vous amener à perfection parce que vous avez la parole pour cet âge qui doit sortir de vous par la tentation au travers des épreuves. Ainsi Saint Matthieu 4 sous la tutelle, sous les tests, les tentations, vous êtes modelé à l'image parole par les trois attaques sauvages de Satan. Et quand Dieu voit cela opérant en vous, Saint Matthieu 17, alors vous êtes adopté et confirmé. La gloire qui resplendissait au travers de Jésus-Christ sera vue. Cette gloire est la parole qui est en vous. Et j'ai vu cette gloire dans le prophète. Je l'ai vu resplendir. C'est l'image parole, ointe par la charité, le véritable baptême du Saint-Esprit qui va sortir de l'intérieur au travers de vos vêtements. Et les gens vont sentir quelque chose autour de vous. Ils vous verront dans les yeux. Ils ne verront pas de ruse, pas de fraude. Aucun voile sur vos cœurs. Vous serez Jésus-Christ. Oh, that's right, sister. Oui, c'est juste, sœur. Gloire à Dieu. Amen. The glory will shine through la gloire va resplendir au travers de votre chair. And the word image in you will et l'image parole en vous va se refléter. The spirit inside of you, l'esprit à l'intérieur de vous, through this body, au travers de ce corps, the spirit in you, l'esprit en vous, au travers du corps, il va l'amener à la soumission à Dieu. Maintenant, que dit le diable?
en soumission à l'Esprit. Satan, Satan il est écrit. Do this here. You're son of God, do this here. Si tu es le fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Non, Satan, il est écrit. Satan is written. Il est écrit. Ne n'êtes pas tout excité, tout sauvage, n'importe quoi. Frère Coleman, je pensais que j'avais Saint-Esprit. Non, il est écrit. Vous avez le Saint-Esprit. C'est simplement vos épreuves. Ce n'est que votre test. Mais je ne sens pas cette onction. Il sait cela. Il est là, en train de se cacher. Prenez cette parole. Mais je me sentais tellement bien quand je l'ai reçu. Ne vous souvenez-vous pas d'Élie? Il a lancé le vêtement sur lui et puis il l'a arraché. Et il a dû être modelé, formé pendant toutes ces années. Oh, gloire! Ainsi, vous êtes formé à l'image parole pour votre saison et son temps, qui est la gloire de Joseph Perfection. Vous êtes soumis à la parole. Et cette épouse ici ira rencontrer sa théophanie. Quand vous serez là, vous allez revêtir ce corps pour aller dans votre théophanie, votre corps sera changé. Oh, vous avez saisi. Ici, nous devons être formés à l'image parole pour être participants de la parole, pour nous nourrir de la parole, étant prédestinés depuis le départ. Oh, my, I'm oh là là, j'ai terminé. The forming of the word la formation de l'image parole, changing from the changeant de la gloire de Jacob Grace to Joseph Perfection. À Joseph Perfection. Now, it will not be forced on you. Maintenant, ça ne sera pas forcé sur vous. C'est si vous voulez, si tu veux, sois parfait. Oh, amen. Il a dit au jeune homme riche, il l'aimait, mais tu ne dois pas, mais si tu veux être parfait, fais ceci. Eh bien, tout va bien, bon maître, je suis dans le message. Je crois que j'ai le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà le Saint-Esprit. Bon maître, j'ai gardé tous les commandements. Je suis dans le message. J'ai été baptisé selon Actes 2:38. Tout va bien. J'ai toutes les cassettes et les bandes. Je peux aller partout. Mais la parole a dit, oh oui, eh bien, va et vends tout ce que tu as. Il y avait un démon de l'argent là dans son âme, dans le message. Et voilà ce qui va arriver lorsque l'image parole sera formée. Il n'y aura pas de démon d'argent là. Aucune sorte de démon. Ainsi nous savons, amen, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. L'image parole, amen, changeant. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Votre théophanie est glorifiée maintenant même dans la présence de Jésus-Christ. Et vous commencez cette saison de Joseph Perfection à être formé à l'image parole. Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que dirons-nous de ces choses? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Gloire à Dieu! La formation de l'image parole, changeant de la gloire de Jacob Grace à la gloire de Joseph Perfection, pour être adopté, confirmé. Oh, je ne sais pas si vous savez ce dont je parle. Que s'est-il passé à Porto Rico le 10 novembre 1964 et à New York, Jacob Grace, Joseph Perfection.
November 10th, le 10 novembre 1983, le Saint-Esprit m'a ramené là à Porto Rico, on exactly November the 10th. Exactement le 10 novembre, like in January 1973, tout comme en janvier 1973, et sur l'avion là en descendant, il m'a donné ce message. Alors que j'étais en train de voler comme un aigle, il est descendu, il a dit, la formation des dimanches paroles. Make up your message in Puerto Rico. Fais ton message là à Puerto Rico. Et j'ai quitté Puerto Rico à 12h. And there were no more seats. Et il n'y avait plus de sièges. J'ai dû revenir la nuit. Mais j'ai eu toute la matinée pour faire le message. Ainsi, Dieu connaît toutes choses. I've never been able to get the message here. Je n'aurais jamais pu avoir ce message ici. So Genesis 17, ainsi Genèse 17, 1973, El Shaddai, El Shaddai. Can you nurse peux-tu te nourrir du sein d'El Shaddai, de la promesse? And I went through the rain, the great anointing. J'ai parlé de ça, cette grande onction est tombée là, j'ai prophétisé les promesses. Et en 1974, les promesses ont été révélées à vous. De savoir de quoi se nourrir. Beaucoup se nourrissent d'interprétations dans le message. Mais Dieu a révélé les sept tonnerres. Nourrissez-vous de ça. L'adoption et la perfection. Et nous sommes nourris de cela pendant 9 ans. Et vous savez ce qui est arrivé. L'affection fraternelle, la dynamique et toute la chose. Ainsi, nous sommes revenus à Porto Rico dans un but. 19 ans. C'était terminé le 10 novembre, la fin du cycle. Et le 13 novembre, nous sommes maintenant dans la 20e année depuis Joseph Perfection. Et 20 ans, c'est la rédemption. C'est un nombre de rédemption. Voilà. Ainsi, je vous pose la question. Se pourrait-il que la gloire de Jacob Grace, une question, soit en train de se changer à la gloire de Joseph Perfection? C'est une question à tous mes invités et aux visiteurs. Une question. C'est la dernière chose que je dis. Cela se pourrait-il? Le Saint-Esprit a déjà prononcé beaucoup de choses sous inspiration. Mais je vous pose une question maintenant. Cela se pourrait-il? You figure it out. À vous de le comprendre. Est-ce que la première chose est arrivée? Vous êtes-vous nourri? La puissance est-elle ici? Amen. Amen. Et bien alors, le 11 novembre 1974, il m'a donné ma commission de sortir en 1975. C'était un lundi. Je n'oublierai jamais. C'était ici, j'étais là, seul. Et il m'a emmené là, à Porto Rico. Le 11 novembre, je suis allé sur la montagne, une autre montagne. Et ce soir-là, j'ai prêché l'esprit d'adoption à Porto Rico. Et je suis revenu ici. Et je sais qu'ensuite venait Genèse 17, le verset 4 et 5, qui est une partie de son nom, écrivant le chèque. Amen. Ainsi, le 10 novembre, le 11 novembre 1983, vendredi. Maintenant, certains en février et au mois de novembre, près de la tente, il y avait là une montagne en forme de pyramide. Combien ont vu cette montagne? Vous avez vu les photos à Porto Rico? Je me suis toujours posé la question. Je savais que c'était un signe. Ainsi, j'étais là au mois de septembre. Et je pensais monter là-haut. Et je dis, je suis trop fatigué. Et frère Junior, il pensait m'emmener là-haut. Et je viens de l'apprendre. Ainsi, dimanche passé, il a mentionné Porto Rico. Le Saint-Esprit a dit, tu es allé là en 1973 dans un but. Et tu vas y retourner dans un autre but. Alors je savais que je sois fatigué ou pas, j'étais prêt à y aller. Je préfère être épuisé, mais aller là pour ce que j'ai, plutôt que d'être plein de vie ici et ne pas avoir cela. Amen. J'avais prié, j'avais jeûné pour cela. Mais c'est sa grâce. Amen. Ainsi, je lui ai téléphoné jeudi et j'ai parlé du fait d'aller sur la montagne. Il a dit, oui, je voulais vous y emmener la dernière fois. Et alors,
He said, "I'm well, brother Junior. What's up there? Il y a quelque chose là. Je veux savoir." Il a dit, "Eh bien, I know the owner. Je connais le propriétaire of the mountain, de la montagne. And he has offered to sell me de me vendre le terrain et la montagne. He says he's a friend of mine. C'est un de mes amis. So some said, what is his name? Quel est son nom? I said, well, what is his name? J'ai dit quel est son nom? His name is Jose. Son nom c'est Joseph. Joseph. Veux-tu me dire que cette montagne en forme de pyramide, c'est la montagne pyramide de Joseph? Comment serait-il possible le 11 novembre 1983, changeant de la gloire de Jacob Grâce à la gloire de Joseph Perfection? Quel signe! Gloire à Dieu, amen. So the man's name is Joseph. Ainsi, le nom de Joseph. Le nom de cet homme est Joseph. We climbed the mountain. Et nous avons escaladé la montagne le 11 novembre, le vendredi. And brother Junior. Et frère Junior climbed up there Thursday. Et il était monté le vendredi. Le vendredi matin avant de m'y emmener. Il a dit, j'ai quelque chose à te montrer. We got up on the mountain. Nous sommes montés sur la montagne. And down a little cliff. Et là, une petite falaise. Into some rocks. Et là, dans le rocher. Il y avait là des centaines d'abeilles. Il y avait toute une ruche d'abeilles. Il y a du rocher dans, il y a du miel dans le rocher, mon frère. Honey in the rock? Le miel dans le rocher. Could this be Sister Shepherd's dream? Pourrait-il être le songe de Sir Shepherd? Oh my! Alléluia! I said, Lord, I j'ai dit, see Seigneur, the honey. Je vois le miel. I snapped two pictures of the bees. J'ai pris deux photos des abeilles. And the man said, don't comme disait, get too close there. Ne t'approche pas trop près. Because one man had parce qu'il y en a un qui a dû aller voir le médecin. Il avait des centaines de piqûres sur la tête. But I had to get those pictures. Mais il fallait que je prenne ces photos of the honey bees. De ces abeilles à miel. J'ai dit, Seigneur, mais il y a encore autre chose ici. J'ai dit, où est l'eau? The man with the big pail of l'homme water. Qui avait ce seau avec l'eau dans le songe de Sir Shepherd. We come down, nous sommes descendus et à like un certain endroit, ça fait comme ça. Il a dit, prenez les photos de là. Oh, là, il a dit, il y a une cascade d'eau là. There's a watershed. Une cascade d'eau. And there's honey in the et rock, il y a le miel dans le rocher, mon frère. Oh, who do you say this is? Oh, qui dites-vous que c'est? Glory. The honey is your rock box confession. Le miel est votre coffre en pierre, votre boîte en pierre de l'affection fraternelle. Et Genèse 17, 4 et 5. Et sur la montagne, Dieu m'a donné ces écritures aujourd'hui. Ainsi, je les ai parlé. Et l'onction est descendue pour prouver qu'il me les avait données. Glory to God, so I say we're here. Ainsi, je le dis, nous y sommes. Par inspiration. Oh, my. Oh là là. I say by inspiration. Je le dis par inspiration and revelation. Et la révélation. Un signe. Joseph's pyramid mountain. De la montagne de Joseph en forme de pyramide. Le temps de l'adoption. Christ will be formed in you. Sera formé en vous. Let that be a sign down in Puerto Rico. Que cela soit un signe à Puerto Rico. Christ est formé en vous. Alors que la persécution commencera à arriver à ce moment-là, ce qui est ce temps-ci, nous sommes en train d'être changés. Et souvenez-vous, le diable ne croit pas que vous êtes en train d'être changés. Il va vous tenter, il va vous tester. Mais ne vous inquiétez pas, il a prié pour vous. Vous serez là. Amen. Glory. My. So we are here. Ainsi nous y sommes. Oh, we are marching to Zion. Nous marchons vers Sion. How many feel like marching to Zion? Combien se sentent de marcher vers Sion? Amen. Oh, we are marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We are marching up to Zion, beautiful city of God. Oh, we are marching. Beautiful, beautiful Zion, marching up to Zion. Come here to city of God. Oh, we are marching.
marching to Zion. Surround the throne, thus surround the throne. Oh, we march into Zion, beautiful, beautiful Zion. Yeah, march upward to Zion, beautiful city of God. Mine, 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 the South African mine, mine, mine. Glory. Mine, 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 Jesus is mine. Mine, 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 oh, yes, is mine. It's in the heaven.